Laissez votre animal ici, nous veillerons sur lui. Je ne suis même pas encore entré. Nous avons un intrus. Je n'irai pas jusque-là. Ce n'est qu'une enfant. Vous avez amené une enfant ici? À vrai dire, c'est elle qui m'a amené. Faites attention avec ce bâton! Ce n'est pas un jouet! Qui est-il?
Il vivait dans ce caveau, celui dans lequel vous vous êtes introduite. Expliquez-vous. Je suis une disciple, et je fais des recherches sur les Horadrim. Enfin, sur ce qu'il reste de vous. Une disciple? Qui est votre professeur? Ne me dites pas que Lorath a pris une autre apprentie. Je n'ai pas besoin de professeur pour étudier. Lilith... Lilith... menace Sanctuaire en ce moment même. Je dois me préparer à ça. Avec ou sans votre aide. Vous? Contre Lilith? Bon. Je suis venu chercher mes affaires. J'espère que vous n'y avez pas touché. Les démons primordiaux peuvent être maîtrisés, mais il est impossible de les éliminer. Même depuis leur demeure des enfers, ils peuvent influencer notre monde, le parcourir sans être vus. Lorsqu'ils sont affaiblis, ils adoptent parfois la forme d'animaux singuliers. Une chouette borgne, une chauve-souris sans ailes, ou un loup blessé. Avant, j'étais comme cette fille. J'avais plus de rêves que je ne pouvais en réaliser. Laissez-moi ouvrir ça. Ujakid Chesbitilm. La pierre doit être harmonisée avec Lilith avant que Lorath ne l'affronte. Sans ça, elle ne la retiendra pas longtemps. J'ai rassemblé des noms avant de partir. Le vieil atelier. Lorath, Elias et moi passions des jours entiers enfermés là-dedans, à expérimenter, à débattre. Rien ne pouvait nous freiner si ce n'est notre propre imagination et le degré de tolérance que nous avions les uns envers les autres. La magie des pierres d'âme n'est pas fiable, même entre les mains les plus douées. Soyez prudents. On a invoqué un esprit ici, et il s'est sauvé. Lorath m'a assuré qu'il l'avait banni pour de bon, mais... j'ai toujours eu un doute. Fichu araignée, trouve toujours un moyen d'entrer.
Le projet visait à déterminer la physiologie des hommes Book. Au final, c'est devenu un débat pour savoir si ces créatures rêvent davantage comme des chèvres ou comme des hommes. Ah ! C'est l'essence dont Laura aura besoin pour le rituel d'harmonie. J'ai une carte par là. Ah, la voilà. Tous les lieux où subsiste la haine de Mephisto. Une dernière chose. Je parie que Laura te la porte encore. La mission de l'Ordre, c'était toute sa vie. Je n'ai pas pu y vouer mon existence, comme lui. Je voulais une vie d'homme. Alors je suis parti en quête d'une famille, de compagnons, de gloire. Et tout ça pourquoi ? Vous avez vu comment ça a fini ? Mon fils, je ne peux pas le faire. De toute façon, ça ne marcherait pas. Donan. Vous ne comprenez pas. Ces pierres d'âme, leur essence remonte à l'éternel conflit. Face à une magie si primordiale, il faut de la foi, du courage. Je n'ai ni l'un ni l'autre. La force de vos alliés compense votre manque de foi. De qui parlez-vous ? De vous ? Oui. Vous êtes la seule personne à pouvoir nous aider. Malheureusement, il se peut que vous ayez raison. Ah, je ne peux rien promettre. Vraiment. Mais je vais essayer. Pour vous deux. Voyons voir ce que l'ancien a à dire. Cet endroit est une mine de trésors. Admirez-moi ce chef-d'œuvre. Par-delà le voile des jungles méridionales de Kala. Vous connaissez le travail de Kala ? Elle est formidable. C'est l'une de mes auteurs préférées. À moi aussi. Avez-vous lu ses traités ? Enfin, nous pourrons en parler sur la route. Sur la route ? J'ai décidé de vous aider. Je connais les méthodes des Horadrim. Votre magie, et même votre écriture codée. Et ne me dites pas que c'est trop dangereux. Lilith a pris ma mère. Rien ne m'empêchera de l'arrêter. Quel beau discours. Il pourrait même convaincre celui à qui vous devriez l'adresser. Venez. Je pars le retrouver. Mais vous êtes vous-même un Horadrim. N'est-ce pas votre caveau ? Ça l'était autrefois. Mais maintenant, j'imagine que l'avenir nous le dira.
Vous avez bien fait de m'appeler. On ne plaisante pas avec les pièmes. Ça, c'est le Donan que je connais. Oh, j'ai besoin d'air. Andariel est de plus en plus agitée. Elle crie ou elle rit, je ne sais pas faire la différence. J'ai bien essayé de la calmer, mais être coincée dans cet endroit exigu... J'ai juste besoin d'un moment de calme. Certains détails du plan m'échappent encore. Les os sont là. Lilith cherche à s'approprier le pouvoir de Mephisto. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, nous utiliserons la pierre d'âme sur elle. Préparer la pierre nécessite un temps que nous n'avons pas. Nous devrions la combattre. Qui inclut ce « nous » Vous. Son sang corrompu coule encore dans vos veines. Non. Il ne faut affronter son espèce qu'en dernier recours. Même si vous parveniez à la vaincre, elle finirait par revenir. Mais dans notre cas, la pierre pourrait donner de meilleurs résultats que la force brute. Avec le temps, les pierres d'âme faiblissent. Ça risque de ne pas marcher. Vous pouvez y arriver. J'ai une confiance absolue en vous. Le vent se lève. Je n'arrive pas à la voir. Thaïssa ! Je la trouverai. Force de jouer avec l'œil, vous m'avez mené tout droit à votre petit campement. Vous ! Si vous lui faites du mal... Lui faire du mal ? Non ! Je l'ai sublimé ! Les runes dessinées sur sa peau forment un relais. Déjà, elle sert de balise à travers les royaumes. Mettez-la en sûreté. Ça ne sert plus à rien. Elle a joué son rôle. Et vous avez joué le vôtre aussi. Profitez de vos derniers instants. Tant que vous le pouvez.